Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, d'accord, à cliquer sur la cloche pour les notifications. Je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de permettre de pouvoir être indépendant financièrement, être libre géographiquement, d'accord. Moi, je suis parti de zéro. J'ai grandi à Évry dans le 91. J'ai fait un BEP. Si jamais j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Ok, t'as toutes les infos en description. Donc maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Donc le business en ligne, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une arnaque, etc. Donc pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que en fait, j'étais au téléphone avec un ami et on parlait du business en ligne et j'ai vu un petit peu dans sa voix, j'allais dire dans ses yeux, mais tu le vois pas en fait. J'ai vu dans le ton de sa voix qu'il n'était pas sûr quoi à 100%. Il disait ouais, mais tu sais, des fois peut-être que je suis pas sûr, business en ligne, t'es sûr que machin. J'ai dit, mais mec, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'en 2019, d'accord, à bientôt 2020, comment c'est possible qu'il y ait encore des personnes qui pensent que le business en ligne, c'est peut-être pas vrai, ça fonctionne pas, c'est incroyable ça, à croire que les gens, ils ont pas internet quoi. Comment tu peux croire? T'as pas internet ou quoi? Comment c'est possible que tu arrives à pas voir qu'un business en ligne, c'est évident? Donc du coup, je vais te dire un petit peu, c'est quoi déjà un business en ligne? Le business en ligne, parce que souvent les gens ils le voient en mode, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'en parle, où ils voient genre, je sais pas moi, que c'est que vente de formation, ou genre que dropshipping, ou que youtubeur, ou qu'influenceur, ou je sais pas qu'est-ce qu'on imagine dans le business en ligne, mais... Le business en ligne, c'est tout ce qui est lié, maintenant, aujourd'hui, c'est lié aux réseaux sociaux, d'accord? C'est comment attirer de l'attention. Pourquoi c'est sur les réseaux sociaux? Parce que l'attention des gens est sur les réseaux sociaux. Donc, le business va se faire à partir des réseaux sociaux parce que c'est là où les gens sont, tu vois? Donc, que ce soit même les gens qui veulent, les grosses entreprises qui veulent faire de la pub, ils vont se diriger vers des influenceurs donc, ou des gens qui ont une grosse communauté pour faire passer, par exemple, leurs produits. C'est exactement ce que fait YouTube. YouTube, quand tu veux monétiser tes vidéos sur YouTube, ben, en fait, c'est des entreprises qui mettent leur publicité sur les vidéos YouTube. Et pourquoi ça marche bien? C'est parce que tout simplement, il y a l'attention qui est sur YouTube. Okay? Et c'est pareil pour la télé, c'est comme ça que la télé fonctionne. Donc en gros, le business, il est en ligne, il est partout. Okay? Aujourd'hui, Elon Musk, il est sur Instagram. Will Smith, il est sur Instagram. Je veux dire, tout le monde est sur Instagram. Si jamais les gars sont sur Instagram ou ont leur chaîne YouTube, ok, parce que Will Smith a fait aussi sa chaîne YouTube, je veux dire, à un moment donné, les gars, le gars, il est au top, d'accord, il est à Hollywood, c'est le patron à Hollywood, et il ouvre sa chaîne YouTube. C'est que, les gars, ils me posent la question, ouais, le business en ligne, est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est un business en ligne. À partir du moment où tu développes les réseaux sociaux, j'espère que, donc après, peut-être qu'on peut tomber dans ce piège de croire que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, en fait, c'est pas un travail, ils sont juste là, ils postent comme ça, mais c'est un travail. Hein. Il n'y a personne qui crée du contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, juste gratuitement. Même si on a l'impression que c'est juste des vidéos, mais ça prend grave du temps. Tu peux être obligé de faire ça à temps plein à un moment donné, tu vois, ou sinon tu vas travailler énormément. Donc, c'est un business en fait. Donc, aujourd'hui, le business en ligne, il est partout. Donc, un business en ligne, c'est quoi? C'est la création de contenu, en général, marketing de contenu autour d'un personal branding, d'accord? Personal branding, c'est le marketing de toi-même, de ta personne. Donc, le business en ligne fonctionne. Et après, tu vends ce que tu veux. Une fois que tu as une communauté, tu vends ce que tu veux. Tu le vois bien avec les youtubeurs, les influenceurs, tout ce que tu veux. Tu vends ce que tu veux. Tu peux vendre le produit de quelqu'un d'autre, promouvoir le produit de quelqu'un d'autre. Tu peux vendre ton propre produit. Tu peux faire ta marque de vêtements. Enfin, tu peux tout faire. Donc, aujourd'hui, penser est-ce que le business en ligne ne fonctionne pas? Je pense surtout que la question que la personne doit se poser, que tu dois te poser, c'est comment je fais pour en savoir plus? Comment je fais pour en savoir plus au sujet du business en ligne pour pouvoir aussi, moi, développer mon propre business en ligne? Tu vois, donc aujourd'hui, le business en ligne, il est partout. D'accord? C'est parce que c'est Internet qui est arrivé, ça a révolutionné le monde de l'entrepreneuriat. Donc, tu es obligé de suivre. Tout le monde suit. Et puis, tu n'as même qu'à regarder qui sont les gens qui sont les plus riches. Il y a toujours un lien à Internet. Amazon, c'est celui qui est passé le numéro 1 maintenant, c'est lui le plus riche au monde. D'accord? Si je ne me trompe pas. Regarde les Facebook, regarde tout ce qui est lié, même les ordinateurs, tu vois. Il y a Internet, Bill Gates, tout ça, Steve Jobs, tu vois. Donc, c'est des gens qui se sont enrichis et c'est grâce aussi à la venue d'Internet. Ok?
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si jamais tu veux en savoir plus au sujet du business en ligne, et tu as bien raison, pour pouvoir vraiment savoir exactement être un marketeur, parce que juste être un YouTuber, parce que la base c'est la même, mais il y a des erreurs que les YouTubers font et que si jamais ils pourraient avoir encore plus de résultats si jamais ils agissaient vraiment comme des marketeurs. Voilà, mais on les plaint pas, hein, ça se passe très bien pour eux. Moi j'ai une formation en tout cas qui va te permettre, elle est offerte, d'accord, donc tu es libre d'y accéder en cliquant sur le lien juste en dessous, et c'est une formation qui va te permettre de voir exactement comment créer un business en ligne en partant de n'importe quelle plateforme ou réseau social, tu vois. Donc n'hésite pas, vas-y, c'est offert. Je sais pas pourquoi tu as peur, pourquoi tu bégayes, on sait pas. Les gars, vous voulez être libre, vous voulez être indépendant financièrement, mais des fois je reçois des mails. Est-ce que si jamais je prends la formation, ça va m'aider? Mais mec, elle est offerte. Vas-y, si jamais ça te sert à rien, c'est pas grave. Tu vois, je veux dire, je vois pas le risque en fait. Pourquoi les gens ils hésitent? Je comprends pas. Donc les gars, on se bouge les gars, ok? Il y a eux, ok? Et il y a nous. Donc choisis ton camp. Ok les gars? Donc on reste déterminés. On lâche rien.